Gashuri, mes chers amis, m'aurez voté. Jevaro gaksuram sravo filingoi eshera memorevo ajona sheri usperam gasure meshera memorevo te. Tu te rappelles à l'époque là, oh mon Dieu, là là, c'était là là la chapelle. Mais gars, tiens, t'as fini, il faut tourner la caméra. Il faut tourner la caméra. Ici, mon frère. C'est terrible. Il dit qu'on doit poser comme ça, plutôt. Est-ce que ça sort bien là-bas? Voilà. Et j'ai faro. Fera zarumi adona coba bisa kita share slip lah siri uspera gashuri mesra mi more votei. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Que la main du Seigneur soit sur votre vie, que sa puissance soit active dans votre vie au nom souverain de Jésus de Nazareth. C'est un jour nouveau. Oui. Nous avons passé des moments très forts pendant ces deux premiers jours prophétiques au foyer Banjoun. La gloire de Dieu a été très forte. Yes. Et nous allons continuer ce dimanche 31 mars à partir de 8h au palais des congrès de Yaoundé. Yes. Pour la grande finale, palais des congrès de Yaoundé. Nous vous invitons très très nombreux à être là. Nous sommes en train de travailler sur la destruction des hôtels, des fondements, des racines de la sorcellerie familiale et ancestrale. Quand on parle de la fondation de la sorcellerie familiale, c'est celle qui agit maintenant. Ancestral, c'est ce qui a été sacrifié dans la sorcellerie contre la maison de ton père et contre la maison de ta mère avant même ta naissance, peut-être avant la naissance de tes parents, de tes grands-parents, de tes arrière-parents. Ces hôtels centenaires et millénaires, nous nous attaquons contre eux. Et nous sommes en train de voir Dieu agir puissamment. Homme de Dieu, au foyer Banjoun, hier, c'était du venez voir, c'était terrible. Dieu t'a utilisé d'une façon extraordinaire. Je t'ai dit que je ne t'ai jamais vu dans cette dimension de délivrance et de prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bien-aimée qui a même dit, une des fidèles de Rima, qui a écrit un commentaire en disant quelque chose de terrible s'est produit au foyer Banjoun. D'ailleurs, il y a quelque chose que tu m'as révélé, j'ai su que ça avait trait à ça. Quand je venais, j'ai dit, je vais passer ce temps-ci, pas à l'hôtel. Je vais passer ce temps-ci chez le prophète Ferdinand. Et tu as fait une prière à Dieu, tu as dit, Seigneur, comme il a passé la nuit chez moi, laisse que sa dimension prophétique prenne une autre tournure. Et quelque chose s'est produit. La main de Dieu était sur moi. La main de Dieu était sur moi. Et quand la main de Dieu est sur toi, tu vas prophétiser. La Bible dit, quand l'Éternel parle, qui ne prophétise Zarouz. Ce dimanche, quelque chose va... En fait... Thank you, Holy Spirit. Parle, homme de Dieu, il faut parler. Il faut parler. Le peuple est en train de t'écouter. Il y a une bien-aimée dans ce direct. Il y a une bien-aimée dans ce direct. Il y a, ton doigt est en train d'enfler et c'est en train de pourrir. C'est-à-dire que c'est en train de pourrir, c'est en train de pourrir. Tu dois écrire ici, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. D'ici dimanche, cette blessure-là commence à sécher totalement et le Seigneur te guérit. Ça a déjà fait plus de 2 mois.
Ça va sécher. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il faut, comme le prophète Kamto a eu la vision, oui, que les anges de Dieu étaient en train de quadriller le pays, mm-hmm, tout le pays, mm-hmm, pour imposer la souveraineté de Christ et mm-hmm renverser les puissances occultes et délivrer le peuple de mm-hmm Dieu. Mm-hmm. Homme de Dieu, beaucoup de personnes sont en train de dire en commentaire que c'était très puissant. Mm-hmm. Mais il faut dire aux gens que ce qu'ils ont vu les deux jours-ci, ce n'est rien par rapport à ce que le Saint-Esprit est sur le point de faire ce dimanche. Il y aura une consultation prophétique en direct. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on va prophétiser, le peuple va consulter l'Éternel. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, en réalité, un prophète, c'est quelqu'un qui doit parler de la part de Dieu. Yes. Si on ne peut pas dire ainsi, parle l'Éternel, et que cela vienne de Dieu, alors automatiquement, ça veut dire que le non-prophète, on doit nous enlever cela. Il faut que les gens comprennent que dans les dimensions de la ziggourate, de la prophétie, un prophète, ce n'est pas seulement celui qui parle dans la vie des hommes, mm, mais il peut parler aussi sur les nations, yes, il peut parler sur les rois de la terre, mm-hmm, il peut annoncer des grands événements avant qu'ils n'aient lieu. Yes. Alors Dieu nous utilisera puissamment. Ce dimanche, le peuple viendra nombreux. Mm-hmm. Et ça, homme de Dieu, nous voulons dire à tout le Cameroun, il y a les gens qui ont quitté Douala, les gens qui ont voyagé pour être là. Nous voulons encore encourager ceux qui hésitent, ceux qui sont à la maison, de ne pas manquer. Ce dimanche 31 mars à Yaoundé, la ville de Yaoundé va trembler. Yes. Trembler. Nous serons du côté du palais des congrès de Yaoundé. Nous avons choisi cet endroit parce qu'il est bien positionné. Oui. Sa position géographique, elle facilite l'accès à plusieurs personnes. Ouais, il y a les gens qui continuent à dire que c'était très puissant. Waouh, que Dieu vous bénisse. De ça veut dire que les gens ont goûté à la puissance de Dieu. Yes. Donc, la sorcellerie, on va user des représailles envers la sorcellerie. Mm-hmm. Ça veut dire que cette chose cachée, homme de Dieu, il faut dire Garuta wa annaus meta, felomin wa innalo karus, enodelto wa annau dalfarosen. Il y a quelque chose que tu as dit pendant ce programme, il y a des paroles que tu as dit qui sont restées et qui vont demeurer dans ma vie, dans mon ministère, qui vont influencer ma vie pour toujours. Tu as dit quelque chose. Mm-hmm. Tu as expliqué clairement et simplement que lorsque le prophète Moïse a pris son bâton et qu'il a plongé son bâton dans l'eau de la mer Rouge, mm-hmm, parce qu'il faut dire que ce n'était pas la mer Rouge avant. Mm-hmm. La Bible dit qu'immédiatement, toute l'eau, toute la mer est devenue rouge. Je pense que, comme moi, beaucoup de personnes pensaient que c'était un miracle. Mm-hmm. Mais je me suis toujours posé la question de savoir, mais le but du miracle, de transformer l'eau en sang, c'est quoi le but? C'était quoi? Mm-hmm. J'ai toujours réfléchi parce que je suis quand même un exégète à mon niveau. Ça veut dire quelqu'un, un étymologue, un philologue, quelqu'un qui a de la passion pour la sémantique, qui a de la passion pour la polysémie, etc. Mm. Donc, et des langues en général. Bon. Donc j'ai essayé de chercher, de fouiller, de bêcher, de creuser, de peler. Mais j'ai pas trouvé, ça dit la signification, le sens de transformer l'eau en sang. Mmh. Vous voyez. Mais, lorsque tu as expliqué, on a une de nos filles qui dit, Mimi Jimmy qui dit, j'ai été choqué. C'était une révélation. Ça, c'est dangereux, homme de Dieu. Donc, les gens ont été touchés. C'est-à-dire que l'onde de choc est allée jusqu'en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Garuta, Menaleta ou Anadol. Tu nous expliques par l'esprit de Jésus-Christ, qui est l'esprit de la révélation et l'esprit de la prophétie en même temps, mmh, qui est aussi l'esprit du témoignage. Tu expliquais, quand Moïse a mis le bâton dans l'eau, le sang qu'on voit là, le sang qui s'est répandu là, c'est que quelque chose a été tué dans l'eau. Il y a une guerre qui s'est passée sous l'eau. Il y a une entité, la puissance de Pharaon, son totem, est mort dans l'eau. Et la question que je me suis posée, c'est, s'il a fallu que toute l'eau devienne du sang, mm-hmm, qu'est-ce qui est donc mort sous cette eau? Qu'est-ce qui est mort dans l'eau? Parce que même si c'était un buffle ou un mammouth qu'on tue sous l'eau, son sang ne peut pas remplir toute la mer. Mm-hmm. Ce n'est pas possible. Ça veut donc dire que ce qui est mort dans l'eau là était gigantesque. On ne sait pas ce que c'est,
mais c'était quelque chose de grand, quelque chose d'énormissime, quelque chose de gargantuesque, quelque chose de mastodonte. On ne sait pas ce que c'est. Alors ça veut dire quoi? Ça entre dans le domaine des batailles invisibles de l'Éternel. Yes. Il y a des batailles que l'Éternel soutient pour toi, pour moi, mais il ne te le dira jamais. Exactement. Tu te lèves le matin, parfois tu trouves des traces de sang sur ta maison, dans ta maison, sur ta porte, ou bien de ta chambre là jusqu'à la sortie. Et lorsque tu vois cela, tu te dis, ah, c'est moi, il y a des sorciers ici, tu te mets à trembler. Mais tu ne sais pas que le sorcier qui est venu la nuit pour t'attaquer, l'Éternel l'a égorgé et c'est son sang, pendant qu'on trimbalait et traînait son corps, c'est son sang, des gouttes de son sang qui ont coulé dans ta maison. Exactement. Mais tu ne comprends pas cela. Parce que Dieu a mené pour toi des batailles invisibles. Et c'est ça que Dieu dira à Moïse. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Homme de Dieu, il y a quelque chose de fort que je ressens dans le règne de l'Esprit. Ce dimanche 31 mars, palais de congrès. Si quelqu'un manque à ça, il est le premier et plus grand ennemi de sa destinée. Il est le premier plus grand ennemi de la maison de son père et de sa mère. Il ne doit plus accuser ni Dieu, ni ses serviteurs. Exactement. Homme de Dieu, les gens se préparent pour dimanche. Qu'est-ce que tu perçois dans l'esprit? Parce que les malades viendront, les victimes de sorcellerie viendront. Dans tous les cas, ceux qui ont soif de Dieu ne peuvent pas écouter ce qui se passe ici et rester sur place. Il y aura une mort massive des totems. Il y aura une mort massive des totems. La Bible dit que lorsque j'avais vu ce livre scellé de sept sceaux, et je pleurais parce que dans le ciel et sur la terre, on n'a trouvé personne digne ni d'ouvrir le livre, ni de le regarder, encore moins d'ouvrir les sept sceaux. Et il dit que pendant qu'il pleurait, le lion de la tribu de Juda, il lui a été rapporté par l'ange qui lui expliquait ces choses. Il lui dit que il y a quelqu'un qui a vaincu et il a reçu le pouvoir d'ouvrir le livre et de déceler les sceaux. Il dit que lorsque le premier sceau a été ouvert, il dit qu'il y a un ange qui est sorti du sceau. Il y a des situations dans des familles où personne n'est plus capable de résoudre le problème. Ça veut dire que ça a terrassé les ancêtres, ça a terrassé la mère, ça a terrassé le père, ça a terrassé tes cousins et tes cousines. C'est en train de te terrasser et tu pleures pour demander qui va me rouler la pierre. Qui va me rouler la pierre. La Bible dit qu'un ange est venu du ciel. Il a roulé la pierre et s'est assis dessus. Cette année 2024 et ce programme au palais des congrès, non seulement Dieu va te délivrer, ça doit être permanent. Amen. Après que Dieu ait délivré les enfants d'Israël de l'oppression des Amalécites, la Bible dit que le pays fut en repos pendant 40 ans. Amen. Il est possible d'entrer dans une saison de repos. Et ici parle l'Éternel, le Seigneur, après ce programme prophétique, va donner une certaine paix prolongée dans chaque famille. Amen. Un certain repos prolongé. Tu n'entendras pas de nouvelles à gauche, à droite, parce que Dieu a le pouvoir de donner ce genre de repos. Les sceaux doivent être attaqués et ouverts. Amen. Ce programme n'est pas pour attaquer les petits démons du quartier. J'ai mal au ventre. Ça fait les démons affamés, les démons en chômage. Nous sommes là pour renverser les forteresses et briser les sceaux. Bien aimé, vous devez savoir une chose. La Bible dit ceci. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire que la mission principale de Christ était de sauver l'humanité et de s'attaquer à Satan. Et tout homme de Dieu, appelé de Dieu, oint par Dieu, lorsqu'il arrive quelque part, il y aura libération, il y aura délivrance, il y aura accomplissement des prophéties confisquées. Parce que Satan peut confisquer ta prophétie. Et il faut que les gens comprennent une chose. La Bible dit qu'il a donné aux deux oliviers, aux deux témoins, aux deux prophètes, qui représentent la cohorte des prophètes, le pouvoir d'ouvrir le ciel et de le fermer. Le pouvoir de faire tomber la pluie quand ils veulent, comme ils veulent. Nous voulons déclarer la pluie sur ton ciel. Nous allons appeler les nuages sur ton ciel. La Bible dit que, à une certaine époque de l'histoire d'Israël,
pendant plus de 3 ans. Mm-hmm. Le ciel n'a pas connu ce qu'on appelait un nuage. Mm-hmm. Il a fallu un prophète qui retourne dans la présence de Dieu, mm-hmm. qui se prosterne devant le Père des esprits de prophètes, mm-hmm. qui appelle les nuages dans le ciel d'Israël. Mm-hmm. Il a rassemblé les nuages, mm-hmm. du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, des 4 vents de la terre. Mm-hmm. Lorsqu'il a parlé, la Bible dit qu'il a demandé à son serviteur, va, cours, mets-toi sur les sommets, regarde de tel côté. Qu'est-ce que tu vois? Son serviteur s'est levé, il est parti. Il a regardé le ciel, il est revenu, il a dit, mon père, je vois comme un petit nuage sous la forme d'une main. Mm-hmm. Il a dit, cours et dis à la maison d'Achab, la pluie est en train de venir. Mm-hmm. Nous voulons délier ton ciel, yes. toute famille dont la malédiction de la sécheresse a ruiné, mildiusé les vies, a privé les membres de la famille de l'élévation et de la gloire. Nous prophétisons sur le ciel de ta famille, yes. que la pluie de prospérité, yes. la pluie de gloire, la pluie de bénédiction, la pluie de délivrance, est libérée au nom puissant et souverain de Jésus. Homme de Dieu, tous ceux qui seront au palais des congrès ce dimanche et ceux qui seront connectés en direct, mm-hmm. il y a une chose qui est sûre, la pluie que tu attends depuis des années, yes. la pluie de l'avant et de l'arrière saison que tu attends, pour laquelle tu jeûnes et prie, elle viendra, tu entendras des grondements dans le ciel. Yes. Tu entendras des éclairs et des tonnerres. Mm-hmm. Ça arrivera parce que Dieu nous a oints en ces temps-ci pour apporter des signes dans notre génération, mm-hmm. et amener les gens à entrer dans leur destinée prophétique. Aucun sorcier ne résistera. Aucune alliance familiale maléfique ne t'empêchera de définir la femme que Dieu a dit que tu es. Nous voulons vous assurer d'une chose. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas né pour être sous les bottes d'une personne. Yes. Tu es né pour briller. Yes. Et ton temps est venu. Homme de Dieu, nous venons pour libérer la saison de quelqu'un. Si tu crois en la grâce prophétique, dimanche, prends ta... C'est-à-dire à partir de maintenant, voyage, soit dans la ville de Yaoundé. Yes. Pour ne pas manquer ce grand culte de famille, yes. du côté du palais des congrès à partir de 8 heures. Les gens viendront de partout. Viens avec ton enfant, avec les nourrissons à la maman. Si c'est possible, mm-hmm. dis même ta chèvre, viens avec, on va bénir. Parce qu'on ne sait jamais. Si ta chèvre là, c'est un agent de Satan, un hôtel totémique, on va le tuer. On va la tuer. Prophète, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en toi. Depuis 14 ans que je marche avec toi, chaque fois qu'une saison shift, tu connais. Et tu l'as saisi pendant que les gens méditent. Il faut, avant de dire ce que j'ai envie de dire, tu m'as dit que le vent que je vois venir là, ça fait un certain temps avec beaucoup de choses que tu étais en train de réorganiser. Mm-hmm. Tu ne t'es pas engagé pour faire des programmes. Il faut l'avouer que tu as promis que Bertoua, Douala et les villes du Cameroun sont sur le point de vivre un secousse. Après la prière du matin, quand on a fini de prier, quand je suis rentré dans la chambre, quelque chose, l'Esprit de Dieu m'a dit, pendant les 3 prochaines années, un vent terrible va souffler, une tempête terrible pendant 3 ans. Amen. Des croisades dans les nations de la terre, parce que le matin tu as dit, Seigneur, laisse que les nations de la terre, les plus profonds, reçoivent quelque chose d'inédit. Amen. Et j'ai cru en ça et Dieu a dit, dans 3 ans à partir de cette année, il y aura un vent terrible. Donc, Bertoua, on arrive. Douala, on arrive. Les autres villes, Bafoussam, on arrive. France, dans les stades. Il y a des gens, il y a une servante de Dieu qui a écrit que la Guadeloupe, je pense, les îles t'attendent. Mm-hmm. Paris, on arrive. France, on arrive. Allez, Belgique, Suisse, Europe, Amérique. Nous arrivons. Avec un vent prophétique. Maintenant, prophète, je voudrais parler à une catégorie de personnes qui regardent autour d'eux. Il n'y a pas la possibilité, ils ne voient pas venir un miracle. La Bible dit que le prophète Élisée s'est retrouvé dans un désert avec le roi d'Israël et le roi de Juda. Le roi d'Israël avait des problèmes avec le prophète Élisée et le roi de Juda a supplié le prophète Élisée parce que dans une armée, il leur faut de l'eau et des provisions. L'eau et les provisions étaient finies. Et le prophète Élisée n'était pas dans l'armée, mais il était au milieu du peuple. Et le roi de Juda l'a supplié en lui disant, prophète, fais quelque chose. Le prophète Élisée va se tourner et va dire au roi d'Israël, à cause du roi de Juda, je vais invoquer mon Dieu. Et ils étaient dans un désert. Il va dire à quelques soldats autour, il dit, creusez des fosses dans ce désert. Et il va donner la parole de l'Éternel en leur disant,
vous ne verrez ni des éclairs, ni des tonnerres dans le ciel. Il n'y aura même pas de vent qui annonce la pluie, mais ces fosses seront remplies d'eau. Après le culte du palais de congrès, même si autour de ta vie, il n'y a pas un projet initié, il n'y a rien qui prouve que tu peux avoir un témoignage ou un miracle autour de ta vie, tu regardes à ton oncle, à ta famille, à gauche et à droite, je te dis par la parole de l'Éternel, il n'y aura pas, il n'y aura même pas de signe pour te prévenir qu'il y a un miracle qui arrive. Amen. Il y aura des miracles. Et la Bible dit que quand il a fini de prophétiser, les fosses étaient remplies des eaux à cause de la parole de la prophétie. Homme de Dieu, il faut dire que hier nous avons vu la puissance de la prophétie, la parole, la révélation. Et c'est ça qui fait la beauté du christianisme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un autre mouvement religieux qui marque les esprits dans les temps comme le christianisme. C'est-à-dire les prophètes, les hommes de Dieu, ils ont troublé la terre tout entière. La terre est en ébullition à cause des hommes de Dieu, à cause du christianisme, à cause de la puissance de la parole de l'évangile. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et je pense que c'est ce que nous avons vu. Hier, pendant le programme, l'Esprit de Dieu va t'utiliser et tu vas voir, tu vas dire qu'il y a une personne dans cette salle que je vois avec une convocation à la gendarmerie. Oui. Et il y a une dame, une jeune dame justement, qui avait une convocation de la gendarmerie entre ses mains dans la salle. Maria. La question c'est, comment as-tu fait pour le voir? Si ce n'est pas l'Esprit de Jésus de Nazareth. Yes. Et cette femme, elle ne sera pas en paix. That's true. Elle va se poser la question, elle va dire, ah, donc les gens là, c'est sérieux. Les gens là, Dieu est avec eux. Donc l'affaire-ci, la main de Dieu est véritablement dedans. Parce que sinon, comment a-t-il fait pour savoir que j'ai entre mes mains une convocation de la gendarmerie? Non, mais entre nous, la femme là ne peut plus douter d'un prophète. Rappelez-vous de celle qui est venue de Douala. Oui. Qu'elle a 30 000 francs dans sa poche. Trois billets de 10 000, la précision prophétique. Trois billets de 10 000 francs oui. dans ses poches. C'est quand même terrible. Tu te rappelles quand je suis venu, j'ai dit, prophète, je veux élargir mes yeux. Oui. Et tu m'as tapé et j'ai mis sur mon visage. J'ai commencé à voir directement. Il y a celle que le Saint-Esprit a localisée en disant, tu as fait une première opération. Tu as fait une deuxième opération. On est sur le point d'opérer. Elle dit que c'est pour cela qu'elle cherche la délivrance. C'est pour cela qu'elle est venue au programme pour chercher, pour dire, Seigneur, je ne veux pas être opérée parce qu'on l'a programmée pour la troisième opération. Et je lui ai dit, tu es un enfant qui s'appelle Junior. Junior. Oh. Mais là, vraiment, c'est où le Saint-Esprit m'a bousculé. Parce qu'il faut dire que cette soirée-là, il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire. Mais quand j'ai vu l'Esprit de Jésus-Christ, oh, ce mouvement bénit son peuple à travers toi. J'ai annulé tout le reste du programme. Parce que tu sais qu'après toi, je devrais intervenir. Exactement. J'ai compris. Parce que le tout, c'est pas... Parfois, lorsque nous organisons des programmes, nous prions. Et nous avons une inspiration. Et nous avons une programmation à l'avance. Mais parfois, tu arrives. Le Saint-Esprit, qui est le Seigneur des lieux, le Maître des lieux, il change. Et il faut être hypersensible dans l'esprit pour comprendre la volonté parfaite de Dieu pour son peuple à l'instant T. J'ai compris immédiatement. Et tu as dit au prophète Kamtoko, il faut qu'on le soutienne. Oui. J'ai compris immédiatement que le Seigneur t'avait oint pour la soirée d'hier pour faire ses œuvres au milieu de nous. Merci. Et donc, immédiatement, j'ai dit au prophète Kamtoko, on va le laisser continuer. Et j'ai annulé toute mon intervention parce que j'ai compris que ce qui était nécessaire pour l'heure, c'est ce que l'Esprit de Dieu faisait à travers toi. Merci. Et nous avons été bénis, homme de Dieu. Tu vois, tu dis à une femme, il faut que tout le monde y pense, y réfléchisse. Tu dis à une femme que tu ne connais pas, vous avez 5 enfants. Elle dit oui, c'est vrai. Le temps qu'elle court pour aller chercher les photos des 5 enfants, tu lui dis que 5 garçons. Non, mais entre nous, mes amis, entre nous. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que par la grâce de Dieu, ce dimanche, nous allons prier. Déjà, nous déclarons
que toute personne dont l'étoile est en prison, dont la destinée est embrigadée, encadenassée dans la sorcellerie, soit libérée au nom de Jésus. Amen. Nous libérons ta santé. Amen. Nous libérons ton mariage. Nous libérons ta carrière. Nous libérons tout ce qui t'appartient, que l'ennemi a retenu en captivité. Amen. Tes enfants ne seront pas mendiants dans cette génération. Yes. Aucun de tes enfants. Yes. Aucun de tes enfants. Mm-hmm. Tes souffrances ne seront pas les souffrances de tes enfants. Amen. Tes pleurs ne seront pas les pleurs de tes enfants. Amen. Tes échecs ne seront pas les échecs de tes enfants. Amen. Nous te bénissons et nous bénissons tes enfants. Amen. Mais écoute ceci. Dimanche 31 mars, si vous êtes au Cameroun, nous vous convions, par les compassions de Christ Jésus, ne manquez sous aucun prétexte. Venez en famille. Venez en famille. C'est le culte des familles. Mm-hmm. On va se présenter devant Dieu. Chacun avait sa bouteille d'huile de faveur. Chaque famille avait son offrande de consécration familiale parce qu'on va consacrer les familles à Dieu. Exactement. Mais nous vous disons une chose, soyez rassurés. Les malades seront guéris au nom de Jésus. L'évangile sera prêché avec puissance. Tu sais que le matin, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. J'ai réécouté ton message d'hier, non, du premier jour. Mm-hmm. Où tu as enseigné sur les animaux, Michel, les animaux rampants et tout ça. J'ai dit, ce message, il nous faut la suite dimanche. Voilà, il faut la suite absolument dimanche. Okay. Et je pense que quand Dieu le fera, maintenant, on va aussi écouter, peut-être je vais apporter une autre exhortation, et on va entrer dans la délivrance du peuple. Yes. Je vous ai dit hier que le peuple a soif. C'est vrai. C'est-à-dire que la salle, les gens étaient hors de la salle, les gens étaient dehors. Hors de la salle, ils sont restés jusqu'à la fin. Et j'ai promis une chose, nous allons tenir maintenant en bride cette ville. Yes. C'est-à-dire la guerre, ce n'est pas seulement pour les trois jours-ci. Les villes du Cameroun. Les villes du Cameroun. Et les nations du monde entier. Yes. Nous allons passer ville par ville, pays par pays, pour apporter la délivrance au peuple. Parce que la Bible dit, et le peuple qui marche dans les ténèbres, voit lui une grande lumière. Il dit, ceux qui habitaient la vallée de la mort, voyez, Dieu va te sortir de la vallée de la mort. Amen. Tu vas sortir de tes ténèbres. Tous ceux qui avaient dit que tu ne seras pas, ou tu ne feras pas, tu n'atteindras pas, vraiment, on verra, rira bien, qui rira le dernier. Prophète, je voudrais révéler un de tes secrets à ce peuple. Chaque fois que le prophète veut déjà aller pour les causes du peuple de Dieu, quel que soit ce qu'il avait en main, ça n'existe plus. Son problème, c'est d'arriver. Ce peuple a soif, ce peuple a besoin de Dieu, ce peuple a besoin de délivrance. Amen. Les animaux rampants. Les animaux rampants. Les animaux qui rapportent tout ce que tu causes. Parfois, quand tu es couché dans ta chambre avec ton mari ou avec ta femme, vous êtes en train de parler des projets de votre famille, les projets de votre maison. Pendant que vous parlez, c'est à ce moment-là qu'il y a un lézard qui sort son cou. Il vous guette, il vous regarde. J'ai donné cette révélation dans le livre de Joël. Quand vous regardez l'histoire, il dit que cette histoire est tellement forte que elle sera racontée dans plusieurs générations. Et je refuse ça parce que ce n'était pas quelque chose de bien. Mais le prophète Joël dit que la manière que ces démons-ci opèrent et leur plan derrière ces familles et cette nation, ça va être un ravage qui sera raconté pendant des générations. Amen. Il dit que la génération précédente va dire à l'autre génération et l'autre génération va rapporter. J'ai dit non, ça ne doit pas arriver dans ma génération. Ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que le diable apporte un chaos dans ta famille au point où chaque génération qui arrive, on ne fait que raconter l'hécatombe. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Ça ne va pas arriver. La Bible dit que Joël va regarder et dit que le Gazam est venu. Il a détruit. Il dit que ce que le Gazam a laissé, donc le diable est entré dans ta famille, il a détruit les études. Et il dit que ça ne suffit pas. Ça ne va pas, ça ne suffit pas. Il vient, il arrache les mariages. Il dit que ça ne suffit pas. Il vient, il commence à arracher des vies. Il arrache, le diable même arrache déjà les âmes des autres pour qu'ils n'aillent même pas au ciel. C'est-à-dire, même le paradis, il ne veut pas. Il dit que quand il a regardé attentivement, c'était des sauterelles.
Et Dieu lui a ouvert, prophète, ça c'est très important ce que je dis ici. Vas-y, homme de Dieu. C'est là où je disais souvent, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, à l'époque, quand je prophétisais sur la sauterelle. Mais toi, tu prends un cas, tu commences à faire 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est là que j'ai compris. Quand tu ouvres davantage les yeux, on réalise que ces sauterelles ont les dents des lions. Oh! C'est parti des sauterelles, c'est devenu des lions. C'est quel genre de sauterelle qui a la gueule avec une dent de lion? Puisque une dent de lion dépasse une sauterelle en grosseur. Non, c'est sérieux. C'est quel genre de sauterelle? C'est quoi la sauterelle là? Maintenant, après les sauterelles, ça devient une armée. Ça veut dire que, comme je l'ai dit au départ, un petit serpent peut te sortir de ton paradis et de ton jardin. Au départ, c'était le serpent dans Genèse. Mais dans l'Apocalypse, c'était devenu le dragon. Je m'en fous que ce serpent soit devenu le dragon. Il sera sectionné. Amen. Il sera abattu. Amen. Quelle que soit la taille que cette entité a déjà pris, que ce soit de manière infime, que ce soit de manière costaud, ils vont tomber. Amen. Et il y a une chose qui arrive toujours chaque fois que les autels tombent. Les témoignages ne tardent pas. Bien-aimé, il faut comprendre une chose. Ton époque est venue. Ta saison est venue. La saison de l'église est arrivée. Nous avons passé un moment de prière puissant ce matin. Yes. Et nous savons que Dieu va nous exaucer. On a prié pour le peuple. Nous avons dit à Dieu de manifester sa gloire dans vos vies. De manifester sa gloire. La Bible dit, si l'Éternel est Dieu, nous le saurons. Yes. Et lui-même, il dira par la bouche du prophète Malachi. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Et donc nous demandons à Dieu, oh Dieu, fais la différence. Et cette époque de différence est arrivée. Dieu doit faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes fatigués d'être confondus. La Bible dit clairement, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Ça veut dire qu'on ne peut pas cacher l'étoile d'un serviteur de Dieu ni d'une servante de Dieu. Mais les sorciers ont juré faire le contraire. Il dit, vous êtes une ville située au sommet d'une montagne. Il dit, on ne peut pas cacher une ville située au sommet d'une montagne. Et il dit, Umej esteton foston cosmo. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit encore, Umej este tes alas tes ges. Vous êtes le sel de la terre. Nous déclarons que cette grande grâce, cette grande destinée prophétique que le Seigneur a réservé pour toi, pour tes enfants, soit accompli. Tout ce qu'on t'a volé sera récupéré. Dimanche 31 mars, mets-le dans ton agenda. Écris-le dans ton agenda. C'est dans 48 heures. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois servant de Dieu, que tu sois juste une personne comme ça, dans tous les cas, bien-aimé, le Seigneur est vivant. Jésus est au milieu de nous. Il confirmera sa parole. Les gens seront littéralement délivrés. Vous allez entendre ce que la sorcellerie fait. On va donner l'occasion à certaines personnes qui sont victimes de la sorcellerie pour rafraîchir votre mémoire. Et elles vont partager avec nous leurs expériences. Leurs expériences surnaturelles. Et après cela, nous allons prier pour la délivrance. Bien-aimé, sois là et que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce et sa faveur soient sur ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous arrêtons ici. Et je voudrais juste compléter les témoignages de l'invitation. Oui. Le prophète a dit que les gens viennent avec leur diplôme. Oui. Qu'ils viennent avec leurs actes de naissance. Et oui, voilà. Complète. Il y a le colonel qui est là. Je vais le recevoir. Complète. Non, vas-y. Non, vas-y. Oui. D'accord. J'arrive. Il le reçoit. Je installe. Fasse, je d'accord. Donc, bien aimé, comme le prophète l'a si bien dit, quand vous venez demain, venez avec vos dossiers, venez avec les actes de naissance de vos enfants. Venez avec des documents importants de votre vie pour que ces documents soient sanctifiés dans la présence de Dieu par la parole de l'Éternel. C'est un culte tellement rempli, tellement comblé. Donc, venez avec ces documents, venez très tôt, venez avec votre offrande familiale, venez avec toute votre famille pour recevoir la grande grâce de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, une ville située sur une montagne ne peut être caché. Alors, nous voulons prendre des appels pendant qu'on attend que le prophète vienne clôturer. Vous pouvez appeler pour que nous prions pour vous.
699-42-73-11. Appelez et nous allons prier pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui étaient connectés et qui sont connectés à ce direct, nous libérons la grâce, la délivrance. Ceux qui écrivent de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire, de la France, des États-Unis, partout où tu attendais la main de Dieu, partout où tu attendais que Dieu agisse, au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Les gens vont commencer à vomir des choses étranges. Ça sort. Ta femme est libérée. Ton enfant est libéré. Ton mari est libéré. Au nom de Jésus, que tu nous visionnes de la France, que tu nous visionnes de Berthois, de Bamenda. Au nom de Jésus, libre, sois libre. Je renverse cet autel. Je brise cet autel. Touche l'écran de ton téléphone. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où que vous soyez, qui que vous soyez, quelle que soit votre situation, quel que soit le temps que cette situation a duré, je prophétise la liberté, la délivrance, la restauration. Soyez restaurés, soyez restaurés, soyez restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les kabaradoskete, mandebradoskata, la sumbrekete yabaradoskata. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui? Bekalira Sota Pradia. Nous brisons les autels. Nous détruisons les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, lâche ses familles. Lâche ce peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allô? Oui? Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Quel est votre problème rapidement? Oui, bonjour de Dieu. Marie-Claire, je voudrais que vous priez pour moi, s'il vous plaît, pour que le Seigneur m'aide dans mes projets, dans tout ce que j'entreprendrai de faire. Parce que depuis un certain temps, je l'avoue, c'est pas évident, mais j'ai foi en lui et je sais que s'il m'a permis d'être connecté aujourd'hui, c'est parce que ma délivrance viendra de là. Amen. Père, j'enlève l'embargo sur la vie de tes enfants. J'enlève l'embargo sur la vie de ton peuple. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. La puissance de Dieu est ici. Sa main est souveraine. Amen. Et nous déclarons la grâce et la faveur sur votre vie. Bien-aimé, s'il vous plaît, mettez ça dans votre agenda. Ce dimanche, 31 mars, à partir de 8h, Palais des Congrès de Yaoundé. Et en plus, ceux qui ne pourront pas être là physiquement, dans tous les cas, vous avez la possibilité d'appeler en direct. Voyez, ou bien d'être connecté en direct. Sois bénéficiaire de cela. Nous sommes dépositaires de la grâce de Dieu. La Bible appelle les hommes de Dieu les oikonomos, ça veut dire les dispensateurs des diverses grâces de Jésus-Christ. Donc, dimanche, viens avec ta famille, viens avec même les nourrissons à la mamelle, même ton enfant qui tète encore. Nous allons le bénir, nous allons proclamer. Dieu doit sanctifier ta maison. Les familles seront présentées devant l'Éternel. Et il y aura aspersion de l'eau oint sur le peuple de l'Éternel. Et l'eau oint sera distribuée à chacun contre la sorcellerie. Ça veut dire qu'on va laver nos faces et on va laver nos pieds. Afin que tout ce qu'on a fait contre ta destinée soit brisé au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc bien-aimés, soyons nombreux à être connectés et que la grâce de Dieu soit ton partage. Au nom souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu bénisse.